ligne à haute tension s'étire au royaume du froid, au nord de toute musique. Station de métro, le coude à coude entre les affiches, dans une lumière morte au regard égaré. Le train arriva pour emmener les visages et les porte-documents. À la prochaine, l'obscurité. Nous étions assis comme des statues dans ces voitures qui dérapaient dans les cavernes. Contrainte, rêverie, servitude. On vendait les nouvelles de la nuit aux arrêts situés sous le niveau de la mer. Les gens étaient en mouvement, chagrin et taciturne, sous le cadran des horloges. Le train transportait les pardessus et les âmes. Dans tous les sens, des regards lors du voyage dans la montagne. Et nul changement en vue. Près de la surface, pourtant, les bourdons de la liberté s'étaient mis à vrombir. Nous sortîmes de terre. Une seule fois, le pays battit des ailes avant de s'immobiliser à nos pieds, vaste et verdoyant. Les épis de blé arrivaient en vol au-dessus des quais. Terminus. J'étais allé bien au-delà. Combien étions-nous encore? 4, 5, à peine plus. Et les maisons, les routes, les nuages, les criques bleues et les montagnes ouvrirent leurs fenêtres. Un vent glacial dans les yeux et des soleils qui dansent dans le kaléidoscope des larmes. Lorsque je croise la rue qui m'a si longtemps suivi, cette rue où l'été du Groenland brille sur les flaques. Autour de moi voltige toute la force de la rue qui ne se rappelle rien et ne veut rien non plus. Autour de moi voltige toute la force de la rue, qui ne se rappelle rien et ne veut rien non plus. Et au fond du sol, sous la circulation, la forêt à naître attendra calmement pendant 1000 ans encore. Et au fond du sol, sous la circulation, la forêt à naître
attendra calmement pendant 1000 ans encore. Soudain, j'ai l'impression que la rue m'observe. Son regard est si terne que même le soleil rappelle une pelote grise dans un espace obscur. Mais je lui... En cet instant. La rue m'observe. J'ai hérité d'une sombre forêt où je me rends rarement. Mais un jour, les morts et les vivants changeront de place. Alors, la forêt se mettra en marche. Nous ne sommes pas sans espoir. Les plus grands crimes restent inexpliqués, malgré l'action de toutes les polices. Il y a également, quelque part dans notre vie, un immense amour qui reste inexpliqué. J'ai hérité d'une sombre forêt, mais je vais aujourd'hui dans une autre forêt, toute baignée de lumière. Tout ce qui vit chante, remue, rampe et frétille. C'est le printemps. Et l'air est enivrant. Je suis diplômé de l'université de l'oubli. Et j'ai les mains aussi vides qu'une chemise sur une corde à linge. Il y a, au milieu de la forêt, une clairière insoupçonnée que ne découvre que celui qui s'égare. La clairière est cernée par une forêt qui étouffe peu à peu. Des troncs noirs à la barbe cendrée des lichens. Ces arbres vissés très près sont morts jusqu'à leur cime, où quelques branches vertes effleurent la lumière. Et dessous, l'ombre qui couve de l'ombre, la tourbe qui s'étend. Mais l'herbe est étrangement vivante sur cette place ouverte, où gisent de grandes pierres qui semblent alignées. Sans doute, les fondations d'une maison. Mais je me trompe peut-être. Qui a vécu ici ?
Personne ne peut nous renseigner. Les noms sont quelque part dans des archives que nul n'ouvre plus. Seules les archives gardent leur jeunesse. La tradition orale se perd, et avec elle, les souvenirs. Le clan tzigane se souvient, mais ceux qui savent écrire oublient. Notez pour oublier. Un bruissement de voix dans la chaumière. C'est le centre du monde, mais ses habitants meurent ou s'en vont. Et la chronique prend fin. La chaumière reste à l'abandon pendant bien des années. Et elle se change en sphinx. À la fin, tout s'en est allé. Si ce n'est les fondations. Je suis déjà venu ici d'une certaine façon. Mais je dois repartir maintenant. Je plonge dans les taillis. On arrive à les traverser qu'en faisant un pas en avant et deux pas sur le côté comme un cavalier d'un jeu d'échecs. Mais la forêt s'éclaircit peu à peu et la lumière revient. Mes pas s'allongent. Un sentier vient se blottir contre moi. Je suis de retour dans le réseau de communication. Sur le pylône bourdonnant d'une ligne à haute tension, un scarabée s'est mis au soleil. Sous ses élytres luisants, les ailes reposent, aussi judicieusement repliées qu'un parachute empaqueté par un spécialiste. Par une nuit de soleil éclatant, je suis dans la forêt touffue et regarde ma maison au mur couleur de brume. C'est comme si j'étais mort récemment et que je la regardais sous un angle nouveau. Elle est là depuis plus de 80 étés déjà. Son bois est imprégné de 4 couches de joie et 3 couches de douleur. Quand celui qui l'a habité meurt, on repeint la maison. Le mort la peint lui-même, sans pinceau, du dedans. De l'autre côté, il y a un terrain découvert. Un ancien jardin aujourd'hui à l'abandon. Des brisants immobiles d'herbes folles, des pagodes d'herbes folles. Un texte qui jaillit, des Upanishads d'herbes folles. Une flotte viking, des têtes de dragons, des lances. Un empire d'herbes folles. Au-dessus du jardin abandonné, voltige l'ombre d'un boomerang, lancé encore et encore. Il est relié à quelqu'un qui a vécu dans la maison, bien avant mon époque. Presque un enfant. Presque un enfant. Une impulsion en émane. Une pensée, une résolution. Pouvoir échapper à son destin. La maison ressemble à un dessin d'enfant. Une candeur intérimaire, apparue parce que quelqu'un s'est bien trop tôt défait du mandat de l'enfance. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Et entrez. Et entrez. Ici, dans la maison, l'agitation règne sous le toit et la paix dans les murs. Le tableau d'un peintre amateur est accroché au-dessus du lit. Il représente un bateau de 17 voiles, des crêtes de vagues qui moussent et un vent
que le cadre doré ne parvient pas à contenir. C'est toujours aussi tôt ici. C'est avant la croisée des chemins, avant les décisions irrévocables. Merci pour cette vie. Je manque pourtant d'alternatives. Toutes mes esquisses veulent devenir réalité. Au loin, sur l'eau, un moteur étire l'horizon de cette nuit d'été. La douleur et la joie se dilatent ensemble, sous le vert grossissant de la rosée. En fait, nous ne savons pas, mais nous pressentons qu'il existe un bateau jumeau de notre vie, qui suit un tout autre cours, alors que le soleil flambe derrière les îles. Le garçon malade. Confiné dans cette vision où la langue est aussi raide qu'une corde, il est assis, le dos tourné au tableau d'un champ de blé. Un bandeau sous le menton fait penser à une momification. Ses lunettes sont épaisses, comme celles d'un plongeur. Rien ne trouve réponse. C'est aussi intense qu'un téléphone qui sonne dans le noir. Mais le tableau derrière lui, un paysage apaisant bien que les blés dorés suggèrent la tempête. Un ciel vipérin et des nuages à la dérive. Et dessous, dans la houle jaune, quelques chemises blanches qui naviguent. Les faucheurs, ils ne jettent pas une ombre. Au loin, sur le champ, quelqu'un semble regarder de ce côté. Un chapeau à large bord nous dissimule son visage. Il semble observer la silhouette obscure dans la chambre. Peut-être pour l'aider. Imperceptiblement, le tableau a grandi et s'est ouvert derrière le malade abîmé dans sa rêverie. Des étincelles et des coups de marteau. Tous les épis se sont allumés pour le réveiller. L'autre, dans les blés, lui a fait un signe. Il s'est approché, mais nul ne l'a vu.
Il arrive au milieu de la vie que la mort vienne prendre nos mesures. Cette visite s'oublie et la vie continue. Mais le costume se coud à notre insu. Sur l'étoile du peintre populaire congolais s'agitent des silhouettes fines comme des insectes, dépouillées de leur force humaine. C'est le passage difficile entre deux façons d'être. La route est encore longue pour qui est loin devant. Le jeune homme surprit l'étranger égaré entre les cases. Il ne savait pas s'il allait faire de lui un ami ou un objet de chantage. Son indécision le troublait. Ils se quittèrent confus. Sinon, les Européens restent groupés autour de la voiture, comme s'il s'agissait de leur mère. Les cigales sont aussi fortes que des rasoirs. Et la voiture repart. Bientôt, la belle nuit viendra s'occuper du linge sale. La route est encore longue pour qui est loin devant. Nous servirons peut-être ces poignées de main en formation d'oiseaux migrateurs. Nous servira peut-être de faire surgir la vérité des livres. Il est nécessaire d'aller plus loin. L'étudiant lit dans la nuit. Il lit et lit pour la liberté et devient, après son examen, une marche d'escalier pour celui qui va suivre. Un passage difficile. La route est encore longue pour qui est loin devant. La route est encore longue pour qui est loin devant. Les tramways jaunes chantaient dans les montées du quartier d'Alfama.
y avait deux prisons, dont une pour les voleurs. Ils agitaient les mains par les grilles des fenêtres. Ils criaient qu'ils voulaient être photographiés. Mais ici, me dit le receveur, ricanant comme quelqu'un qui hésite, c'est ici qu'on met les politiques. Je regardais la façade. La façade. La façade. Et tout là-haut, dans une fenêtre, un homme qui avait des jumelles devant les yeux et contemplait la mer. Le linge séchait dans le ciel. Les murs étaient brûlants. Les mouches déchiffraient des lettres minuscules. 6 ans plus tard, je demandais à une dame de Lisbonne : était-ce donc ainsi ? Ou bien l'ai-je rêvé ? Le restaurant de poissons sur la plage. Une modeste baraque dressée par des naufragés. Ils sont nombreux à faire demi-tour sur le pas de la porte, hormis les coups de vent venus de l'océan. Une ombre se tient dans un réduit fumant et fait griller 2 poissons selon une antique recette de l'Atlantide. De petites explosions d'ail, l'huile coule sur les tomates en tranches. Chaque bouchée nous dit que l'océan nous veut du bien. Une berceuse des bas-fonds. Elle et moi, nous nous regardons dans les yeux, comme si l'on gravissait des talus sauvagement fleuris sans ressentir la moindre fatigue. Nous sommes du côté de la bête, bienvenue. Nous ne vieillissons pas. Nous avons pourtant vécu tant de choses ensemble. Nous nous en souvenons. Et aussi de ces heures où nous ne valions pas grand-chose. Des situations qui auraient dû nous séparer s'il ne nous avait rapprochés. Et des situations que nous avons oubliées ensemble. Mais elles ne nous ont pas oubliées. Elles se sont muées en pierres claires et obscures. Pierres éparpillées d'une mosaïque. Et voilà ce qui arrive. Les fragments se rejoignent dans les airs. La mosaïque se reforme. Elle nous attend. Elle luit sur le mur de la chambre d'hôtel. Un design délicat et violent. Un visage, peut-être. Nous n'arrivons pas à tout saisir quand nous nous déshabillons l'un l'autre. Nous sortons à la nuit tombante. L'énorme patte bleue foncée du cap s'étend là, comme lancée dans l'océan. Nous entrons dans le tourbillon humain, on nous bouscule aimablement, doux contrôle. Tout le monde parle avec ardeur cette langue étrangère. Personne n'est une île. Nous gagnons en force grâce à eux. Mais aussi grâce à nous-mêmes, à ce qu'en nous les autres ne peuvent voir. À ce qui ne peut que se rejoindre. L'ultime paradoxe.
une fleur de garage, la soupape à la bienveillante obscurité. Une boisson qui pétille dans des verres vides. Un haut-parleur qui diffuse du silence. Un sentier qui se referme derrière chaque pas. Un livre qu'on ne peut lire que dans l'obscurité. L'orgue s'arrête de jouer et un silence de mort s'installe dans l'église. Mais pour quelques secondes seulement, pénètre alors le doux bourdonnement du trafic extérieur, le grand orgue. Nous voilà encerclés par les murmures de la circulation qui se promène le long des murs de la cathédrale où le monde extérieur glisse. Tel un film translucide dans un combat d'ombre en pianissimo. Comme s'il appartenait au bruit de la rue, j'entends un de mes pouls battre dans le silence. J'entends mon sang tourner, cette cascade qui se cache en moi et m'accompagne toujours. Et tout aussi proche que mon sang et aussi lointain qu'un souvenir du temps de mes 4 ans, j'entends passer un semi-remorque qui fait trembler les murs 6 centenaires. Tout cela est aussi éloigné que peut l'être le sein d'une mère. Pourtant, je suis cet enfant qui très loin entend parler les adultes, les voix des vainqueurs et des perdants qui s'entremêlent. Une congrégation clairsemée occupe les bancs bleus et les colonnes se dressent-elles des arbres étranges, sans racines. Seulement ce sol commun. Ni crête. Seulement ce toit commun. Je revis un rêve. Je me retrouve seul dans un cimetière. La bruyère luit partout, aussi loin que porte le regard. Qui est-ce que j'attends ? Un ami. Pourquoi ne vient-il pas? Parce qu'il est déjà là. Doucement, la mort fait remonter la lumière par le bas, par le sol. La lande brille d'une couleur lilas de plus en plus intense. Non, d'une couleur jamais vue jusque-là. Jusqu'à ce que les lueurs blêmes de l'aube viennent siffler entre mes paupières et que je me réveille à cet immuable « peut-être » qui me transporte dans un monde chancelant. Et les images abstraites de l'univers sont aussi impossibles que l'est le dessin d'une tempête. Chez moi, l'omnisciente encyclopédie occupe un mètre linéaire de bibliothèque. J'y ai appris à lire. Mais chacun se fait rédiger son encyclopédie. Elle grandit dans nos âmes. Elle s'écrit de la naissance à la mort. Des centaines de milliers de pages pressées l'une contre l'autre. Mais entre elles, il y a toujours de l'air. Comme dans le feuillage frémissant des forêts. Le livre des contradictions. Le livre des contradictions. Ce qui y est écrit change. Ce qui y est écrit change à chaque instant. À chaque instant. Les images se retouchent toutes seules. Les images se retouchent toutes seules.
Les mots scintillent. Les mots scintillent. Une lame de fond roule à travers le texte. Suivie de la prochaine. Suivie de la prochaine. Et d'une autre encore. Et d'une autre encore. Le soleil est bas maintenant. Nos ombres sont géantes. Bientôt, tout sera dans l'ombre. Solstice d'hiver. Des tambourins de glace cliquetantes. Je ferme les yeux. Il y a un monde muet. Il y a une fissure où les morts passent la frontière en cachette. La nuit tombe sur Huelva. Des palmiers couverts de suie. Le sifflement d'un train en fuite. Des chauves-souris argentées. Les rues se sont emplies de gens. Et cette dame qui fend la foule pèse prudemment les dernières lueurs du jour sur la balance du regard. Les fenêtres des bureaux sont ouvertes, où l'on entend encore piétiner le cheval. Le vieux cheval, aux sabots tamponneurs. Ce n'est qu'après minuit que les rues se vident, quand enfin les bureaux ont bleui. Et là-haut, dans l'espace, galopant en silence, étincelante et noire, invisible et libérée une fois son cavalier désarçonné, cette nouvelle constellation que j'appelle le cheval. Le soleil blanc s'écoule dans le smog. La lumière s'égoutte. Elle descend, à tâtons, jusqu'à mes yeux qui reposent sous terre, loin sous la ville, et regardent vers le haut, voient la ville
d'en bas. Les rues, les fondations, rappellent les vues d'avions d'une ville en temps de guerre, bien qu'à l'envers. Une photo de taupe. Des carrés de silence, aux teintes assourdies. C'est là que les décisions se prennent. Le squelette des morts qu'on ne distingue en rien de celui des vivants. La lumière du soleil augmente de volume, se répand dans les cabines des avions et dans les cosses des poids. Je commence à m'assoupir au cours du voyage et je range ma voiture sous les arbres du bord de la route. M'enroule sur le siège arrière et dors. Combien de temps? Des heures. La nuit a eu le temps de tomber. Soudain, je suis réveillé et je ne me reconnais plus. Tout à fait réveillé, mais cela ne sert à rien. Où suis-je? Qui suis-je? Je suis cette chose qui s'éveille sur un siège arrière, en proie à la panique, et qui se débat comme un chat dans un sac. Qui? Enfin, ma vie revient. Mon nom revient comme un ange. Au-delà des murailles, on entend sonner le clairon, comme dans l'ouverture de Léonore. Et des pas salvateurs descendent vite, vite, du haut d'un escalier beaucoup trop long. C'est moi. C'est moi. Impossible pourtant d'oublier ces 15 secondes de combat dans l'enfer de l'oubli, à quelques mètres de la grande route, où le trafic glisse. Toutes lumières allumées. Une nuit de mai, j'ai accosté dans une fraîche clarté lunaire, là où les fleurs et les herbes sont grises, mais les senteurs verdoient. J'ai glissé en haut de la colline, dans la nuit daltonienne, alors que des pierres blanches le signalaient à la lune. Un espace de temps de quelques minutes de long, de 58 ans de large. S'étendait l'autre rive et ceux qui la gouvernent.
souvenir à la place du visage. Pas un tremblement de terre, mais des secousses célestes. Turner aurait pu les peindre une fois amarré. Un gant solitaire venait de passer en virevoltant à des kilomètres de sa main. Je peux me frayer un chemin dans ce vent contraire, jusqu'à cette maison de l'autre côté du champ. J'ondoie dans l'ouragan. Je passe au rayon X. Le squelette remet sa lettre de démission. La panique augmente alors que je louvoie, que je chavire. Je chavire et je me noie sur la terre ferme. Que cela pèse lourd, tout ce que soudain je dois porter. Qu'il est pénible pour un papillon de remorquer une péniche. Enfin arrivé. Un dernier corps à corps avec la porte. Et dedans maintenant. Dedans. Maintenant. Derrière la grande baie vitrée. Quelle curieuse et grandiose invention que le verre. De pouvoir être tout près sans être concerné. Dehors, une horde de sprinteurs diaphanes s'élance en grand format sur la plaine volcanique. Mais je n'en dois plus. Je suis assis derrière le verre, immobile. Comme mon propre portrait. Le piano à queue noire, cette araignée lustrée, tremblait au milieu de sa toile de musique. Au milieu de sa toile de musique. Dans la salle de concert résonnait un pays dont les pierres n'étaient guère plus lourdes que la rosée. Balakirev s'assoupit en musique et rêva de la calèche du tsar qui filait sur les pavés dans la noirceur croissante des corbeaux. Il était seul dans la voiture et regardait dehors. Pourtant, il courait à côté d'elle sur la route. Il savait que le voyage avait duré longtemps et sa montre ne donnait pas les heures, mais les années. Il vit un champ où gisait une charrue qui n'était qu'un oiseau tombé au sol. Il vit une crique où un navire était pris dans les glaces, tout feu éteint, et des gens sur le pont. La calèche courait là-bas sur la banquise et ses roues tournaient, tournaient dans un bruit soyeux. Un petit navire de guerre, le Sébastopol. Il se trouvait à bord, l'équipage approchait. Tu resteras en vie si tu sais en jouer. Ils lui montrèrent un instrument étrange, qui ressemblait à un tuba ou à un phonographe ou une pièce de machine qu'il ne connaissait pas. Désemparé, puis pétrifié d'horreur, il comprit que c'était l'instrument qui fait avancer les bâtiments de guerre. Il se tourna vers le matelot le plus proche, fit un geste désespéré et l'implora « Fais le signe de croix comme moi, le signe de croix !» «
matelot le fixa tristement, comme un aveugle. Tendit les bras et sa tête retomba. Il resta suspendu comme cloué en l'air. Les tambours roulaient, les tambours grondaient. Et viva! Balakirev émergea de son rêve. Les ailes de Bravo claquaient dans la salle. Il vit l'homme au piano se lever. Dehors, les rues étaient assombries par la grève. Les calèches se hâtaient dans l'obscurité. Le café noir du service en terrasse, aux tables et aux chaises aussi gracieuses que des insectes. Ces gouttes précieuses et captées ont le même pouvoir qu'un oui ou un non. On les sort du fond de bistrots obscurs et elles fixent le soleil sans ciller. Dans la lumière du jour, un point d'une noirceur bienfaitrice qui se répand très vite dans un hôte blafard. Il rappelle ces gouttes de noire clairvoyance que l'esprit happe parfois et qui nous donne une bourrade salutaire. Vas-y. Une exhortation à ouvrir les yeux. Le ciel éclatant s'incline contre la muraille. C'est comme une prière qu'on adresse au vide. Et le vide tourne son visage vers nous et murmure « Je ne suis pas vide, je suis ouvert. » Je me rasais un matin devant la fenêtre ouverte du premier étage. J'avais fait démarrer le rasoir, qui s'était mis à ronronner, à bourdonner de plus en plus fort, à grandir jusqu'au vacarme, à grandir jusqu'à l'hélicoptère. Et une voix, celle du pilote, perçait le vacarme, me criait « Ouvre les yeux, c'est la dernière fois que tu vois cela !»
nous décollions. Volions bas au-dessus de l'été. Toutes les choses que j'aimais, quel poids ont-elles? Des dialectes par douzaines dans la verdure. Et surtout, le rouge des cloisons dans nos maisons de bois. Les scarabées luisaient dans le fumier, dans le soleil. Des caves qu'on avait tirées par les racines arrivaient par les airs. Les rotatives se lovaient. À cet instant, les gens étaient les seuls à rester immobiles. Ils gardaient une minute de silence. Et les morts du cimetière champêtre restaient surtout figés, comme au début de la photographie, quand on prenait la pose. Vol bas. Je ne savais où je tournais la tête, avec l'horizon partagé, comme un cheval. Une lettre affolée, qui respire encore quand elle arrive pour la seconde fois. Une maison à 5 fenêtres. Par 4 d'entre elles, le jour brille avec calme et félicité. La 5e fait face à un ciel noir, à l'orage et à la tempête. Je suis à la 5e fenêtre. La lettre. Parfois, il existe un abîme entre le mardi et le mercredi. Mais 26 ans peuvent défiler en un instant. Le temps n'est pas une distance en ligne droite, mais plutôt un labyrinthe. Et quand on s'appuie au mur, au bon endroit, on peut entendre des pas précipités et des voix. On peut s'entendre passer là, de l'autre côté. Cette lettre n'a-t-elle jamais eu de réponse ? Je n'en sais plus rien, c'était il y a si longtemps déjà. Les innombrables seuils de l'océan ont poursuivi leur marche. Le cœur a continué à bondir de seconde en seconde, comme un crapaud dans l'herbe humide d'une nuit d'août. Les lettres sans réponse s'amassent tout là-haut comme les cirrostratus qui annoncent la tourmente. Elles ternissent les rayons du soleil. Je répondrai un jour. Un jour, lorsque je serai mort et que j'arriverai enfin à me concentrer. Ou du moins, assez loin d'ici pour arriver à me retrouver. Quand je viens d'atterrir dans la grande ville et quand je longe la 125e rue, dans le vent qui balaie la rue des ordures en fête. Moi qui aime tant flâner, et me perdre dans la foule. Un T majuscule dans la masse du texte sans fin. Thank you.
Il a posé son stylo, qui repose paisiblement sur la table, qui repose paisiblement dans le vide. Il a posé son stylo. Trop de choses qu'on ne peut écrire ou passer sous silence. Le voilà paralysé par quelque chose qui se passe loin d'ici, bien que la merveilleuse sacoche palpite comme un cœur. Dehors, c'est le début de l'été. Des sifflements montent de la verdure, des oiseaux ou des hommes. Et les cerisiers en fleurs caressent les camions qui sont rentrés chez eux. Les semaines passent. La nuit tombe peu à peu. Des mythes se posent sur les carreaux. Petit télégramme blême envoyé par le monde. Au milieu de l'immense église romane, les touristes se pressaient dans la pénombre. Une voûte s'ouvrait sur une voûte, et aucune vue d'ensemble. La flamme de quelques cierges tremblotait çà et là. Un ange sans visage m'enlaça et me murmura par tout le corps « N'aie pas honte d'être homme, sois-en fier. Car en toi, une voûte s'ouvre sur une voûte, jusqu'à l'infini. Jamais tu ne seras parfait, et c'est très bien ainsi. » Aveuglé par mes larmes, je fus poussé sur la piazza qui bouillait de lumière, en même temps que Mr. et Mrs. Jones, Monsieur Tanaka et la Signora Sabatini. Et en eux, une voûte s'ouvrait sur une voûte, jusqu'à l'infini. De Shanghai. Ils sont nombreux dans le parc à lire le papillon blanc. J'aime ce papillon comme un coin de vérité qui volait au vent. À l'aube, les masses humaines font démarrer notre planète silencieuse au pas de course. Le parc s'emplit de gens. À chacun, 8 visages polis comme le jade, pour toutes les situations, pour éviter toute erreur. À chacun aussi ce visage invisible reflétant ce dont on ne parle pas. Ce qui remonte dans les moments de fatigue, aussi amer qu'une gorgée d'eau de vie de serpent à l'arrière-goût écaillé et persistant. Les carpes de l'étang se déplacent sans cesse. Elles nagent en dormant. Sont un modèle pour le croyant, toujours en mouvement. C'est la mi-journée. Le linge lavé ondule au vent gris de la mer, bien au-dessus des cyclistes qui viennent en essaim serré. Avez-vous vu les dédales latéraux? Je suis entouré d'une écriture que je ne peux déchiffrer. Je suis parfaitement analphabète. Mais j'ai payé ce que je devais. Et on m'a toujours donné une quittance. J'ai amassé tant de quittances illisibles. Je suis un vieil arbre dont les feuilles fanées sont restées accrochées et n'arrivent à tomber par terre. Et un souffle venu de l'océan fait bruire mes quittances.
l'aube, notre planète silencieuse démarre sous les pas des masses humaines. Nous sommes tous à bord de la rue. On s'y bouscule comme sur le pont d'un bac. Où allons-nous? Les tasses à thé suffiront-elles? Nous devons nous estimer heureux d'avoir eu le temps d'embarquer. Nous sommes à 1000 ans de la naissance des claustrophobes. Derrière ceux qui avancent, plane une croix qui cherche à nous rejoindre, nous dépasser, s'unir à nous. Quelque chose qui voudrait s'approcher par surprise, nous couvrir les yeux des deux mains et murmurer « Devine qui c'est ?» Nous semblons presque heureux au soleil, alors que nous saignons de ces blessures dont nous ignorons tout. Lorsqu'il se retrouva dans la rue après son rendez-vous galant, la neige tourbillonnait au vent. L'hiver était venu alors qu'il s'étreignait. La nuit blanche luisait. Il marchait à grands pas joyeux. La ville entière paraissait en pente. Des sourires croisés. Chacun souriait derrière son col dressé. C'était la liberté. Et les points d'interrogation chantaient la présence divine, pensait-il. Une musique se détacha pour avancer à grands pas dans la neige en tempête. Tout convergeait vers la note Do. Une boussole incertaine dirigée vers le Do. Une heure passée au-delà des souffrances. Tout semblait si facile. Une heure passée au-delà des souffrances. Tout semblait si facile. Et chacun souriait derrière son col dressé.